آه ومرحبا مرة أخرى تلمذة الرابعة علوم العالمية أه اليوم باش نبداو في السيرين نميرو دو في الكومبلكس وباش تكون السيري هذه هي السيري الأخرانية في درس كومبلكس أه باش تكون معناتها التمارين فاغية التمارين هذه معناتها كي جينيراليز الشابيتر الكل نبداو بالتمرين الأول نبداو من السهل إلى نوصلو إلى البلو كومبليكي نبداو بالتمرين الأول Donc, Adaf Tamrin classique, qu'est-ce qu'il dit Écrire sous forme algébrique ou bien sous la forme algébrique 3 plus 2i au carré. Donc, ici, on vous demande d'écrire sous forme algébrique 3 plus 2i au carré. Donc, produit remarquable, 3 carré plus 2 fois 3 fois 2i plus 2i carré. Donc, ça donne 9. Plus 12i moins 4. N'oubliez pas que i carré égale à moins 1. Donc on trouve finalement 5 plus 12i. Donc voilà. Alors 3 plus 2i au carré égale à 5 plus 12i. Mais sur fini on vous demande de résoudre une équation. Vous allez voir cette équation elle a une relation de la question des câbles Bien, que, euh, qui dans ce cas, comme on le résolution d'une équation d'abord euh, prenons donc euh, les coefficients a égale à 1 b égale à moins 1 et c égale à moins 3i moins 1 donc euh, on peut calculer delta ou bien delta prime, bon, ou bien on peut aussi regarder euh, a plus b plus c égale à 0, donc euh, z1 égale à 1, z2 égale à c sur a, ou bien a moins b plus c égale à 0, alors euh, z1 égale à moins 1 et z2 égale à moins c sur a. Dans notre cas ça ne marche pas, donc on va calculer le discriminant delta. Alors nous savons que delta égale à b carré moins 4ac, donc c'est égal alors moins 1 au carré. Moins 4 fois 1 fois c qui est égal à moins 3i moins 1. Faisons un développement, moins 1 au carré égale à 1. Moins 4 fois 1 fois moins, fois moins 3i, ça donne plus 12i. Et là, ça donne plus 4. On trouve que ça donne 5 plus 12i. B. Donc, les dit delta, clan, un nombre complexe. On devait chercher le racine carrée de delta. ni yani, on devait de chercher un nombre complexe, noté petit delta qui m'a un le court cours, tel que petit delta au carré égale à grand delta. Revenons à la question numéro 1. On peut remarquer que 5 plus 12i s'écrit sous la forme 3 plus 2i carré. Donc, ça donne là que delta, qui est égal à 5 plus 12i, je peux le remplacer, alors, par, alors, 3 plus 2i au carré. Et cela donne quoi? Cela donne que, euh, petit delta, là, petit delta, qui est égal à 3 plus 2i, ou moins 3, moins 2i, c'est, ce sont les racines, on peut, on peut noter plutôt, là, Delta 1 et petit delta 2 égale moins 3 moins 2i. Ce sont les racines carrées. Les racines carrées, le de grand delta. Donc, elle euh, Elkine, euh, 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 racine carrée de... On, on note Z0, Z1 là dans notre question. Donc, on va noter Z0 égale à moins b moins petit delta sur 2a et là on vous demande dans la question résoudre dans c en notre z1 et z0 et z1 les solutions de e donc là ça donne moins b ça veut dire 1 moins petit delta on va choisir une seule solution on va choisir delta 1 Chercher les solutions de cette équation. Alors, moins 3, moins 2i sur 2. Faisons une simplification. 1 moins 3, c'est moins 2. Moins 2 sur 2, c'est moins 1. Moins i. Et z1 égale à moins b plus petit delta sur 2a. Alors, ça donne 1 plus 3 plus 2i sur 2. Donc, 2 plus i. Ça, c'est z1. Et ça, c'est z0. Finalement, on a les solutions dans C. C'est les nombres complexes moins 1, moins i et 2 plus i. La question suivante. Alors, euh, soit a, i, b, i, c. Regardez bien, on dit maintenant la question géométrique. a, b, c, les points d'affixe, alors respectifs z0, z1 et 2i. Donc, on dit alors z, a, c, L'affixe la de a, c'est z0, qui est égal à la question des au moins un moins i. Et euh, bien sûr, z2, donc euh, là, z0, les z a, z a égale à z0, qui est égal à moins un moins i, et zb est égal à z1 qui est égal à 2 plus i et zc qui est égal à euh, 2i. Alors on vous demande de calculer les distances AB, AC et BC. En fait, AB égale le module de ZB moins ZA qui est égal au module de ZB égale Z1 égale à 2 plus I plus 1 plus I. Donc, ça donne le module de 3 plus 2i. Ça donne racine carrée de 3 au carré plus, 4, plus 2 au carré, c'est racine carré de 13. Et la distance AC, qui est égale à module de ZC moins ZA. Donc, ZC c'est 2i. Moins ZA, ça veut dire plus 1 plus i. Donc, c'est le module de 1 plus 2i. C'est la racine carrée de 5. Et euh, BC, c'est le module de zc moins zb, donc zc c'est 2i moins 2 moins i, donc c'est le module de moins 2 plus i qui est égal aussi en 5 carré de 5. Alors la question géométrique là, trouver l'affixe du point D pour que ABCD soit un parallélogramme. Pour que ABCD soit un parallélogramme. Bon, faisons une petite figure. Donc euh, nous avons là notre repère. Alors A d'affixe moins 1 moins I. Donc là nous avons A. Et le B d'affixe alors 2 plus I. Et le point C d'affixe 2I. Donc c'est là. Donc nous voulons que... Le quadrilatère ABCD soit un parallélogramme. Donc, ABCD soit un parallélogramme. Cela signifie que le vecteur, alors, euh, prenons le vecteur euh, AD égal au vecteur BC. Et cela signifie que l'affixe du vecteur AD égale l'affixe du vecteur BC. Cela donne que ZD moins ZA égale ZC moins ZB. Et cela donne que ZD égale ZC moins ZB plus ZA. ZC qui est égal alors 2i moins 2 moins i. Plus a ça veut dire plus 1 plus I. Alors, euh, on peut simplifier tous les I là. Et euh, moins 2, euh, donc plus 1, c'est moins 1. Donc ça, c'est z d Voilà, ça, c'est le premier exercice. Donc, euh, c'est un exercice très classique là. Très classique. Il n'y a pas de problème. جوستومون uh, uh, في الكيستيون الاول كي نرجعوا له نلاحظوا اللي هو لهنا كي طلب مني باش نكتب سو فورم الجبريك 3 بلس 2 زي كاري ثم هدف باش نجم من بعد نخرج uh, الغاسين كاري دو غران uh, دلتا اللي هو سميناه بيتي دلتا وردو بينا كي نخرجوا لي غاسين كاري دو دلتا راهو كي باش نجيو نحسبوا لي سوليسيون دو ليكواسيون نستعملوا غاسين كاري واحد ما نستعملوهمش زوج معناتها كي باش نحسب زد زيرو نطلع زد بريم زد سكوند ولا زد زيرو زد ان نستعمل

plus le moins 1, au i carré. On a que c'est égal à a moins i au carré. Donc, il y a moins 2i. Donc, a moins i et moins 1 plus i sont euh, les racines carrées de moins 2i. Ça, c'est la méthode numéro 1. Et la méthode numéro 2, c'est une méthode classique. Ou une méthode dernière, le m'interroge, allez. Ou on va poser une équation z carré égale moins 2i avec z égale x plus y. Cela donne un système. Donc, on a un système. Qu'est-ce qu'il dit ce système Que x carré plus y carré. Donc c'est égal à le module de moins 2i. Et le i est égal à 2, moins 2, égale à 2. Et x carré moins y carré qui est égal à le réel de moins 2i, qui est égal à 0. Et 2xy égale à imaginaire de moins 2i, qui est égal à moins 2. Bon, nous avons là les deux premières équations, l'équation numéro 1 l'équation numéro 2 et l'équation numéro 3. En fait, l'équation numéro 1 plus l'équation numéro 2, donc je veux additionner les deux équations 1 et 2, ça donne 2x2 égale à 2. Et cela donne x2 égale à 1. Et ici, x2 égale à 1 plus est un réel, c'est un réel, donc x égale à alors 1 ou moins 1. Maintenant, prenons euh, la différence de, des équations 1 moins 2, donc x carré euh, moins x carré c'est 0, y carré moins moins y carré c'est 2 y carré, qui est égal aussi 2 moins 0 égal à 2. Et cela donne aussi que y carré égal à 1. Là, on trouve que y égal à 1 aussi ou y égal moins 1. Bien sûr, n'oubliez pas qu'on est en train de chercher x et y, donc on est en train de chercher un nombre complexe z. Quel x on va le rattacher avec y En fait, l'équation numéro 3, on peut remarquer que 2xy est négatif. C'est égal à moins 2. Donc, ça donne que x de, de y a de signe contraire. x égale à 1, Alors, on y de égale à moins 1. C'est-à-dire que de que... Euh, z égale euh, 1 moins i. Euh, ou bien on prend x égale à moins 1, donc euh, on va prendre y égale à 1 et cela donne que z égale à moins 1 plus i. Donc on a trouvé finalement euh, on a trouvé enfin les solutions ou bien les racines carrées de moins 2i et les hommes à moins i et, et moins 1 plus i. Oui, ni hizne, héda, héda, résoudre dans c l'équation iz carré plus 3 facteur de 1 moins iz moins 4 égale à 0. Comme d'habitude, prenons a égale i, et b égale alors, 3 facteur de 1 moins i, et c égale à moins 4. T'as pas, l'aulé d'n'en sah, comme, enni, qbal m'a t'assib delta, d'i ma khamam m'chouya, fil les méthodes de, de, de résolution d'une équation de second degré, et les huaran, n'ajj m'on choufou a plus b plus c, a moins b plus c, delta prime, etc. Et d'aquin, ça marche pas, on ma t'a aidé le discriminant de, de, de delta, fil erre étape. Euh, donc, on va calculer delta, on n'a pas le choix, delta égale à b carré, moins 4ac, ça donne alors 3 facteurs de 1 moins i au carré, le tout au carré, bien sûr moins 4 fois i fois moins 4. Donc là, ça donne 9. Et 1 moins i carré, c'est égal à moins 2i plus 16i. Donc ça donne moins 28i plus 16i qui est égal à moins 2i. Donc, madame, dans le temps, là, on a 2i. On a les racines les racines carrées ta moins 2i, ou 1 moins i, ou moins 1 plus i. Donc, on va dire que petit delta égale 1 moins i ou moins 1 plus i, ce sont les racines carrées de delta. Donc, z1 égale à moins b moins petit delta sur 2a. Donc ça donne alors moins 3. Plus 3i, on a développé directement b, plus petit delta, on va choisir donc la, la moins i, donc moins 1 plus i sur 2i, donc ça donne moins 4 plus 4i sur 2i. Je peux simplifier par 2, donc ça donne moins 2 plus 2i sur i. Prenons l'écriture algébrique, bien sûr. On va multiplier les deux termes par moins i. Donc, je multiplie par moins i, ça donne ici moins 2 fois moins i, c'est 2i. Et 2i fois moins i, c'est moins 2 sur 1. Donc, ça donne moins 2 deux plus 2i. Deux Même chose pour z2, qui est égal à alors moins b plus petit delta sur 2a. Alors, c'est moins 3 plus 3i plus 1 moins i sur 2i. Alors c'est moins 2 plus 2i sur 2i. Calada je simplifie par 2. Moins 1 plus i sur i. Je multiplie par le conjugué moins i. Donc là, ça donne i. i, i fois moins i c'est moins 1 sur 1. Donc je trouve que c'est égal à moins 1 plus i. Et finalement, S dans C, l'ensemble des solutions ternaires, il y a moins 1 plus i et moins 2 plus 2i. Passons à la question suivante. Dans le plan complexe menu d'un repère tonormé UV, on donne les points A, B, C d'affixes respectivement 2, 1 plus i et 2 plus 2i. Bon, on va vérifier quelque chose ici. Euh, C'est que euh, là, euh, BC. il y a une petite faute ici. Non, il n'y a pas de faute. Il y a pas de faute, il n'y a pas de faute. Bon, euh, déterminer la fixe du point I, le milieu de AC, le milieu de AC. Donc, on euh, dit zA égal à 2, zB égal à 1 plus i, et zC est égal à 2 plus 2i. Bon, I le milieu de AC. Donc, cela signifie que ZI égale à ZA plus ZC sur 2. Ce qui donne ZA 2 plus ZC lié à 2 plus 2I sur 2. Donc, 4 sur 2 c'est 2 plus 2. Ça, c'est le point I. Ensuite, on vous demande de déterminer la nature des triangles ABC. B. Ben, on dit l'A d'affix 2, et le B 1 plus i, et c euh, 2 plus 2i. Donc, A, c'est d'affix 2, ça c'est A. Le B 1 plus i, donc de coordonnées 1, 1. Et le C, euh, donc 2 plus 2i, c'est, c'est là. Donc, en fait, ça, c'est le triangle ABC. On peut remarquer que c'est un triangle rectangle isocèle en B. Bon, pour déterminer sa nature, d'abord, on va calculer alors la distance BA, qui est égale à module de ZA moins ZB. Alors c'est 2 moins 1 moins I. Donc c'est le module de 1 moins i c'est ça si je ne me trompe pas donc euh, c'est la même chose donc on peut changer pour ne pas faire des confusions là donc c'est euh, z 2 moins 1 moins i donc euh, c'est le module de 1 moins i qui est égal à racine de 2 calculons la distance bc donc euh, c'est zc moins zb donc ça donne ZC et à 2 plus 2i. Alors moins 1 moins i. Donc c'est le module de 1 plus i qui est égal à racine de 2. Et je peux de même calculer la distance AC. On peut, on, on peut utiliser alors euh, la réciproque de Pythagore pour montrer que c'est un triangle rectangle. Comme on peut utiliser bien sûr euh, les affixes. Donc AC égale à module de ZC moins ZA. Donc ça donne le module de 2, plus 2i, moins 2. Donc c'est le module de 2i, qui est égal à 2. Le module de 2i, qui est égal à 2. Bon, en fait, là, on peut remarquer au début que ba égale à bc. Et en plus, euh, on peut euh, utiliser la réciproque de Pythagore pour vérifier que c'est un triangle rectangle. Donc euh, on a Ba égale à BC. Cela signifie que ABC est isocèle en B. Puis on peut remarquer que BA carré plus BC carré est égal à Uh, ba carré plus bc carré égal à ac carré et cela donne que d'après la réciproque de Pythagore que abc est un triangle rectangle en b b Ensuite, déterminer et construire l'ensemble E des points M d'affixe Z tel que Z différent de 1 plus I et tel que module de IZ moins 2I sur Z moins 1 moins I égale à 1. On va chercher un ensemble de points. On dit une condition. On dit IZ moins 2I sur Z moins 1 moins I égal à 1. Bon, cela signifie qu'on peut factoriser par i, z moins 2, sur z moins 1 plus i, égal à 1. Donc on peut écrire que c'est égal à module de i tout seul, fois module de z moins 2 tout seul, sur module de z moins 1 plus i. On a partagé les modules, on a le droit. Module de i, bien sûr, n'oubliez pas que module de i égale à module de moins i égale à 1. Donc là, ça, ça donne module de z, on va le remplacer par ZM. Euh, la, le nombre complexe 2, c'est la fixe de A. Sur module de ZM. Moins euh, 1 plus i, c'est euh, ZB. Là, c'est ZB. Égale à 1. Et cela signifie quoi La distance AM. Sur la distance BM, égale à 1. Et cela donne que la distance AM, égale à la distance BM. En fait, là, AM égale à BM, cela signifie quoi? Que l'ensemble à chercher, c'est la médiatrice du segment AB. Donc, M décrit la médiatrice du segment فوالا voilà. دونك هذا التمرين رقم اثنين في السيغي نتاعنا فوالا voilà. euh, نمشيو ونقويو في النيفو نتاع التمرين دونك euh, بدينا بالتمرين الاولاني كلاسيك على الاخر هنا بون bon, خدينا في الاخر اونسومبل دو بوان وهنا التلميذ يحاول يستعمل دونك نوسيون جيومتريك ديفينيسيون دو لا ميدياتريس جيومتريكمون ديفينيسيون دو سيركل ديفينيسيون دو دروات

Euh, là, on dit un polynôme de troisième degré. Donc, on va voir que le but est de résoudre l'équation f de z égale à zéro. Euh, pour résoudre une équation de troisième degré à variable complexe et à coefficient complexe, il s'agit de factoriser cette équation. Donc, il s'agit de trouver une solution particulière qui m'a fait deuxième année. Regardez déjà la première question. Qu'est-ce qu'il demande Il demande de calculer f de 2. Regardons alors ma barne f de 2. f de 2 égale... Euh, 2 au cube moins 2 facteurs de 1 plus i fois 2 carré plus 4i moins 5 fois 2 plus 10. Donc là on trouve 8. Euh, 2 au carré c'est 4, 4 fois 2 c'est 8 aussi fois 1 plus i. Euh, plus alors développant là 8i moins 10 plus 10. Donc 8 moins 8 moins 8i plus 8i moins 10 plus 10. Donc euh, là, tout ça simplifie. Donc c'est égal à 0. Puisque f de 2 est égal à 0, donc on peut dire que 2 est une solution de l'équation. f de z égale à 0. D'ailleurs, dans la question suivante, montrez qu'il existe alors euh, trois nombres complexes a, b et c, tels que f de z égale à z moins 2, facteur de a à z carré plus bz fois plus c. Comme j'ai dit au début de, euh, de l'exercice, que pour euh, résoudre une équation de troisième degré, il s'agit de trouver alors euh, donc une méthode pour factoriser cette équation. Bon, je pour en rejoindre les nez, je vais nous les handi, elle est hoa z moins 2 fois AZ carré plus BZ plus C. On va développer, donc ça donne Az3 plus BZ2 plus CZ, moins 2AZ, moins 2BZ, moins 2AZ2, moins 2BZ, moins 2c. Donc, ça donne que c'est égal à z cube plus b moins 2a z carré plus c moins 2b z moins 2c. Avec une petite identification avec l'équation, alors f de z, donc là on a f de z. D'autre part, f de z égal à quoi? Euh, donc, Hasb donné de l'exercice il est z au cube moins deux facteurs de 1 plus i z carré format euh, plus 4i 4 i moins 5 z et euh, la constante plus 10 par identification c'est donc quoi on peut identifier bien sûr dans le corps de nombre complexes. alors a égale à 1 et B moins 2A égale à moins 2 fois 1 plus I. Et bien sûr, euh, là, euh, 4I moins 5, il y a un I. Au contraire, c'est mieux. Donc, euh, ça donne C moins 2B égale 4I moins 5. Et moins 2C égale à 10. Donc ça donne que a égale à 1, on peut remplacer a ici, donc a à l'ennet, et a à donc a moins 2 égale à moins 2 moins 2i, donc 2 ou 2, phtatine que b égale à moins 2i, ou elle c'est une l'équation numéro 4. Donc là, nous équation Z. Donc, c'est, faire l'équation de l'autre Donc, moins 2C égale à 10. Ça donne que C égale à 10 sur moins 2, mais à moins 5. On a trouvé alors le A égale à 1, le B égale à moins 2I, et le C égale à moins 5. Alors, on peut écrire, en fait, là, donc, F de Z égale, alors Z de moins 2, fois aZ carré, cest yani cZ carré, plus bZ, moins 2iz, euh, plus c, donc c'est moins 5. Donc il y a de, le polynôme interne en manière de factorisation. Ouais, il on vous demande dans cette question de résoudre alors dans c l'équation f de Z égale à 0. On va utiliser alors la forme factorisée f de Z égale à 0. Cela signifie que euh, z moins 2 fois z carré moins 2iz, moins 5, égale à 0. Et cela signifie que z moins 2, égale à 0, ou z carré, moins 2iz, moins 5, égale à 0. Au premier lieu, z moins 2, égale à 0. Cela signifie que z égale à 2, déjà trouvé. Et euh, z carré, moins 2iz, moins 5 égale à 0. Donc prenons alors le a égale à 1, le b égale à moins 2i, et le c égale à moins 5. Delta qui est égal à b carré, moins 4ac, donc c'est moins 2i au carré, moins 4 fois euh, moins 5. Donc ça donne ici 4. Moins 2i carré c'est 4. C'est moins 4 plutôt à fois plus 20. Donc, ça donne 16. Delta, c'est un nombre réel positif. Donc, on peut utiliser, donc, le racine carré de delta, la notation d'irad, n'allak égale à 4. Ouah, n'est, n'est-ce que dans R. Donc, z1 égale, moins b, moins racine delta, sur 2a. Un hak, notation racine qui est de carré. Donc, c'est 2i, moins 4, euh, sur 2, donc euh, moins 4 sur 2 c'est moins 2 plus i et euh, z2 z2 c'est moins b le racine delta sur 2 donc ça donne 2i plus 4 sur 2 donc ça donne 2 plus i et finalement s dans c ensemble des solutions dans c'est c le nombre complexe ou il est où est 2 comme on d'un dit moins deux plus i? au bas parle d'un dit deux plus i? Et il la question de la résolution. Ensuite, la partie graphique. Le plan complexe est menu d'un repère tonormais au UV. on désigne par A, B I, C les points, les images des solutions à l'image de la solution réelle. Je m'en étais. m'en étais. à ثم باش زد بي خاطر السوليسيون تاعنا غير لهنا باش زد بي هي موان دو بلس اي وباش زد سي اللي هي دو اي دونك لو اللي عندي زد ا ايجال سي البي الكوردوني نتاعها اذا موان دو ا و نتاعها دو ا و A de 2, 0. Donc UB moins 2 1, ça c'est B, ou C de coordonnées de 1, ça c'est C. Alors en fait, on vous demande quelle est la nature des triangles ABC. On peut remarquer que le triangle, c'est un triangle rectangle en B. Donc on va utiliser les affixes. Alors affixe de BA fois affixe de BC bar. Il faut que c'est... Euh, ce produit soit euh, donc un imaginaire pur. donc c'est ZA moins ZB fois ZC moins ZB le tout-barre donc ZA c'est 2 ZB c'est 2 plus i donc ici 2 plus i donc je vais changer je vais changer ici voilà et dit B j'ai dit C alors là euh, plus 2 plus i fois zc qui est égal à alors moins 2 plus i pardon là c'est moins là c'est moins donc c'est moins 2 moins i et là euh, moins 2 plus i euh, moins zb moins 2 moins i donc 2 avons 2 ici alors moins i fois donc on i fois moins 4. Donc ça donne 4i. Alors 4i, il est imaginaire pur, il appartient IR. Euh, donc c'est barre. Hein. Là c'est bar, pardon. Bar. Ou le conjugué de moins 4, ouais, c'est moins 4. Donc, le vecteur BA elle est orthogonal au vecteur BC. Et cela signifie que ABC est un triangle rectangle. Triangle, rectangle, en B. B. Notre adhérent, la question est la suivante. Quelle adhérent la fixe du point D pour que ABCD soit un parallélogramme Comme d'habitude, on retourne à la figure interne ici. ABCD. Donc D, puis-je un parallélogramme. Donc ABCD, parallélogramme. Cela signifie que donc qu n'y a b c d donc euh, le vecteur ad égal au vecteur bc et cela signifie que z ad et en fixe de ad égal z bcnage dans notation heavy donc ça donne que ZD moins z a égal à ZC moins z et ça donne que ZD égale ZC z moins z plus ZA. ZC qui est égal à moins 2 plus I. Moins ZB, manette à moins 2 moins I. Plus ZA, a à plus 2. Donc on peut simplifier. On trouve que ZD est égal à moins 2. On a remarqué que le D a pour coordonner ici de 0. Uh, اذا هذا اذا التمرين رقم ثلاثة كيف كيف التمرين هذا ماهوش معناتها صعيب برشا جيستومون حاولنا ندخلوا ليكواسيون دو تخوزيام دوغري في الحكايه Euh, Il yani, y a une équation l'équation troisième degré pour la résolution total nous euh, connaissons des solutions particulières. Je ne pas sous la forme z moins z 0 fois az carré plus bz z plus c. Bien sûr, bien sûr, à kif kif l'équation bicarré. Le programme ta quatrième info. c'est l'équation qui s'écrit sous la forme euh, donc a z puissance 4 plus bz carré plus c. C'est l'équation bicarré

On à ce que la série numéro 2 fasse complexe, on a déroulé l'exercice numéro 4 de la série numéro 2. Bon, j'ai des extraits de bac, maintenant on est sous LOL, soit E, l'équation densée, à coefficient complexe et à variable complexe, Z au cube, plus 2 facteurs de 1 moins IZ carré, moins 2 facteurs de 1 plus z plus 4 fois moins 2 plus I au carré, égale à 0

B. Euh, z plus 1 au carré égale à 2 plus i au carré. Ici, dans cette question, évitez de faire un développement. Il s'agit d'utiliser donc euh, la formule a carré égale à b carré. Cela signifie que a égale à b ou a égale à moins b. Tel que a égale à z plus 1 et b égale à 2 plus i. Donc on a z plus 1 au carré égale 2 plus i au carré. Cela donne que z plus 1 égale à 2 plus i ou z plus 1 égale à moins 2 moins i. Donc ça donne que z égale à 2 plus i moins 1 ou z égale moins 2 moins i moins 1. Donc ça donne enfin que z égale à 1 plus i ou z égale moins 3 moins i. Donc c'est facile de résoudre cette équation et l'ensemble des solutions dans ces, c'est 1 plus i et moins 3 moins i. Voilà, la question B, il nous demande euh, donc euh, de vérifier que z au cube plus 2 facteur de 1 moins iz carré plus 2 facteur de 1 plus 4 iz plus 4 facteur de moins 2 plus i s'écrit sous la forme z moins 2i fois entre deux crochets z plus 1 au carré moins 2 plus i au carré. Tlaحدou, fyl, hyedi, la forme, elle est toujours de l'écriture rédit, la forme, elle est de la question petite a, elle est z plus 1 au carré égale à 2 plus i au carré. Ce qui fait que je peux voir sur LD, de préférence, nous rejoignons la forme ténia, nous avons le développement. Je m'en tiens à rejoindre z moins 2i, le tout facteur de z plus 1 au carré moins 2 plus i au carré. On préfère ici de développer le terme qui entre deux crochets au début. Donc, produit remarquable, c'est z carré plus 2z plus 1 moins. Alors, 2 plus i carré, ça donne 4. Bon, on peut utiliser les parenthèses ici. 4, pour ne pas faire une faute de calcul. Euh, plus 2 fois 2 fois u, donc plus 4i. Plus i carré, on a fou i carré, il y a moins 1. Dans la simplification, le terme est entre deux crochets. C'est mieux, bien sûr. Z carré plus 2z plus 1, moins 4, quatre moins 4i quatre plus 1. Encore, z moins 2i. Le tout facteur de z carré plus 2z, deux 1 deux. Euh, euh, moins 4, c'est moins 3. Moins 3, plus 1, c'est moins 2. 4i maintenant on achève le développement le développement completo htawa Kemla, z2 cube plus 2z carré moins 2z moins 4iz moins 2 z carré moins 4iz moins, 4iz, moins 4iz moins 4i et plus 8i carré ça veut dire moins 8 donc, nous avons le regroupement z au cube. Donc, nous avons dit 2z carré, moins 2z carré. On va regrouper. Donc ça donne plus 2. Facteur de 1 moins I le tout z carré. On dit terme de moins 2z moins 4iZ. Nous allons jouer z facteur. On a le regroupement, bien sûr. Donc je vais le moins 2. En facteur on dit aussi moins 4 iz là voilà je qui faire ça attends au terme donc tout doucement le regroupement les donc moins 2 facteur alors de 1 moins 4 iz moins 4 iz moins 8 iz donc c'est plus 4 i à la fois moins 4 i 8 z et il nous reste alors la constante ici moins 4 i euh, euh, moins 8 euh, on peut donc euh, euh, là c'est euh, on, euh, on, peut, on peut faire euh, donc factoriser par le terme 4 le n'est rendu plus 4i 4 n'est moins 2i faut moins 2 donc plus 4 facteur de i moins 2 ça veut dire moins 2 plus i et voilà on a trouvé ce qu'il veut donc, finalement, l'équation Z occupe plus 2 facteurs de 1 moins I, Z carré, moins 2 facteurs de 1 plus 4IZ2, plus 4 facteurs de moins 2 plus I s'écrit sous la forme Z moins 2I, le tout fois Z plus 1 au carré, moins 2 plus I au carré.

Ça donne quoi? Ça donne que z moins 2i égale à 0, ou z plus 1 au carré moins 2 plus i au carré égale à 0. Et z égale à 2i, ou z plus 1 au carré égale à 2 plus 1 plus i au carré. Et là, l'équation de l'élénère, question l'irbal. Y'a ni z égale à 2i, ou z plus 1 au carré égale à 2 plus i au carré l'équation d'échaline ha, a les solutions terre fait question premièrement petit a, il a 1 plus i fois moins 3 moins i. Donc ça donne que z égale à 1 plus i, ou z égale à moins 3 plus i. Donc finalement, S danser les trois solutions ternes, 2i, 1 plus i, et moins 3 plus i. دونك ديما كي نبداو نخدمو موان تخو موان زي دونك كي نبداو نخدمو ديما عينينا على لي كيستيون اللي قبل كيستيون دونك راهم مربوطين ببعضهم ديما نطرحو سؤال علاش طلب مني باش نبدل الفورم تاع ايكواسيون باش نبدلها الفورم تاعها خاطر باش نستحق Partie géométrique elle est complexe. l'art dit ma partie géométrique, ma partie analytique ou partie géométrique. Donc le plan complexe est rapporté en repère tonormé au UV. On donne les points A, B et C, d'affixes respectivement 2i, 1 plus i et moins 3 moins i. Et les hommes solutions à l'équation interne. Soit c'est le cercle de diamètre bc, déterminé son centre I et son rayon R. Diamètre interne BC. Donc, Médem C de diamètre BC. Donc, I, il est égal égale à, c'est le milieu de BC. Heveyani, ZI, hout, ZB, plus ZC sur 2. peut bien, ZB est 1 plus I, plus ZC, il est moins 3 moins I sur 2, donc ça donne moins 2 sur 2 égale à moins 1 avec la fixe dans le milieu formule rayon petit r, c'est le diamètre baissé sur 2 c'est baissé sur 2 et cela signifie que r égale à module de zc moins zb sur 2 donc ça donne module de moins 3 moins i, moins 1 moins i sur 2 donc c'est le module de moins 4 moins 2i sur 2. Donc c'est le racine carré de 16 plus 4 racine de 20 sur 2, qui est égal à 2 racine de 5 sur 2. Donc égale à racine de 5. Finalement, le cercle c, c'est le cercle de centre i de rayon racine de 5, avec, bien sûr, la fixe de i égale à Qu'est-ce qu'il demande Il demande de montrer que le point A appartient à C. Ben, on dit برشا طرق لهنا باش نبين انه le point A appartient à C, on peut calculer la distance IA, on la trouve égale au rayon, comme on peut, إذن كيف كيف نبين que le triangle ABC rectangle en A à la خاطر cercle C diamètre nta' ABC mais là c'est très simple, on dit ZA 2i et zi moins 1 et le rayon interne est racine de 5. On va calculer la distance Ea qui est égale à module de za moins zi, ça donne za 2i plus 1, ça donne racine carré de 1 au carré plus 2 au carré, ça donne racine de 5 qui est égale à petit r. Donc Appartient au cercle C. C'est simple. Donnez alors la nature des triangles ABC et justifiez, justifiez votre réponse. Donc on a C et le cercle de diamètre BC. Et A est un point qui appartient au cercle C, tel que A différent de B. Et A différent de C. Donc, ABC est un triangle, rectangle en A. N'oubliez pas que chaque fois qu'on a un cercle de diamètre quelconque et un point qui varie sur le cercle différent de ces deux points, donc le triangle est rectangle, euh alors en ce point. Placer alors ABC et construire le cercle C. Nous avons ZA égale 2i. Donc cela signifie que A a pour coordonnées 2. ZB égale à alors, C 1 plus I. Et B donc de coordonnées 1, 1. Zc égale à moins 3 moins I ça donc que les coordonnées de C au moins 3, moins 1. Donc, on va placer les points. Donc, a pour coordonnées 0, 2. Coordonnées de A, c'est 0, 2. Les coordonnées de B, c'est 1, 1. Et les coordonnées de C, c'est moins 3, moins 1. Donc, voilà, ça c'est le triangle ABC. Donc il est rectangle en A et en A I, c'est le centre du cercle, alors cercle, elle passe par A, B et C, ça c'est le cercle ABC, cercle circonscrit au triangle ABC. Voilà, ça c'est l'exercice numéro 4, donc euh, c'est un extrait de bac, voilà, il s'agit de refaire tous ces exercices. Euh, au revoir et à la prochaine séance, Inch'Allah. nous sommes dans numéro 2, on l'exercice numéro 5, équation de troisième degré qui est malade, soit P de Z égale à Z au cube, plus 1 plus IZ carré, plus 2 plus IZ plus 2. Z appartenant C, est. Montrer que l'équation P de Z égale à 0 admet une solution réelle Z0 que l'on déterminera. Mais Elmar Soud, elle nous a, a une solution réelle Z0. Et on va poser Z égale à X avec X appartenant R. L'occasion de a les solutions imaginaires, on pose Z égale à IX avec X appartenant R étoile, non nulle. Yarni, on va remplacer z par x, donc ça donne x au cube plus 1 plus i x carré plus 2 plus i x plus 2 égal à 0. On le Développement, x au cube plus x carré plus i x carré plus 2x plus i x plus 2 égale à 0. Prenons partie réelle, partie imaginaire, ça donne x au cube plus x carré plus 2x plus 2. Avec la partie réelle ou la partie imaginaire y facteur de x carré plus x égale à 0. Donc réel égale à 0. Et imaginaire égale à 0. Donc on a x au cube plus x carré plus 2x plus 2 égale à 0, et c'est pas où, et x carré plus x égale à 0. Je la résolution, c'est l'équation numéro 2, elle est ici, x carré plus x égale à 0, cela signifie x facteur de x plus 1 égale à 0, ça donne que x égale à 0 ou x plus 1 égale à 0, et cela donne x égale à 0 ou x égale à moins 1. Pour la solution x égale à 0, celle-là a rejeté. à qu'on a. argent, on a comme l'énergie a x non nul. C'est une condition que x non nul. Donc finalement, donc, z0 égale à moins 1 est une solution de l'équation. de z égale à 0 d'ailleurs là est la question 2 et notre manière de résoudre dans l'équation p de z égale à 0 déjà on dit une solution n donc on dit z0 égale à moins 1 est une solution donc cela signifie que p de z il s'écrit sous la forme z moins z0 et on dit z plus 1 fois une équation de second degré az carré plus bz plus c. Alors, faisons un développement. C'est az au cube plus bz carré plus cz plus az carré plus bz plus c. Dans le regroupement, bien sûr, az cube plus b plus a z carré plus c plus b z plus c. Mais la forme de p de z va donner de l'exercice. Il y a z au cube plus, alors, z au cube, plus 1 plus i z carré, plus 2 plus i z, plus 2. Par identification, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que a égale à 1, b plus a égale à 1 plus i, et c plus b égale à 2 plus i, et c'est égal à 2. Donc, à partir de l'équation numéro 2, on remplace a par 1. Ça donne que b plus 1 égale à 1 plus i. Ça donne que b égale à i. Et déjà, l'équation de Kherani dit dit c'est égal à 2. Donc, euh, le polynôme p de z il s'écrit sous la forme z plus 1 fois... Az carré, A ici a un a Z carré, plus BZ manètre plus IZ, plus C, Ani, plus 2. C'est P2Z. Mais on va les résoudre. Je m'en mets un et un, et on pose P2Z égale à 0. Donc ça donne quoi? P2Z égale à 0, ça donne que Z plus 1 égale à 0, ou Z carré plus IZ plus D égale à 0 b ben, well z plus 1 égale à 0, déjà, on a trouvé que z égale à moins 1 et pour là on a a égale à 1 b égale à i et c égale à 2 on calcule delta bien sûr b carré moins 4ac yani i carré moins 4 fois 2 ça donne moins 1 moins 8, moins, 10, moins 9 et là on a moins 3i au carré. Alors, z1 égale à moins b marnata- moins i, moins petit delta les à 3i sur 2. Donc ça donne moins 2i. Et z2 qui est égal à moins i plus 3i sur 2. 2i sur 2 qui est égal à i. Finalement, s dans c, l'ensemble des solutions de l'équation P2Z égale à 0, et il y a... La solution réelle moins 1 et euh, l'imaginaire pur moins 2i et i. résoudre dans C l'équation P2Z égale à 0. Je vais vous automatiquement. La factorisation, c'est Z moins Z0 fois AZ carré plus bz plus c. méthode. Sinon, il n'y a jamais des questions intermédiaires. Partie géométrique est malade, le plan complexe est menu d'un repère repertoire normé, OUV, ABC d'affixe, Starfrag, sais pas que les solutions de Théa, sous forme des affixes, moins 1, I et moins 2i. Et à tout point M d'affixe Z, on lui associe le point M' d'affixe Z', tel que Z' égale Z plus 1 sur 2 plus Iz. La question montrait que Z' égale à moins I facteur de Z plus 1 sur Z moins 2I. Je Z. Z' est Z' est Et Z plus 1 sur alors 2 plus IZ. Je peux multiplier les deux membres par moins I. Je vais vous que c'est moins I en facteur. Donc, je peux vous les deux membres par moins i, moins i facteur de z plus 1, sur moins i facteur de 2 plus iz. Il ne faut pas compliquer les choses, Marnet Lennem. Réellement, faut, moins il faut l'autre. Donc, moins i facteur de z plus 1, on développe. Donc, moins i fois 2, c'est moins 2i. Fondament moins i fois iz, c'est moins i carré, z, yannick, plus z. Donc, ça donne finalement moins i facteur de z plus 1 sur z moins 2i. Ça, c'est z prime. Bon, non, là, je, vais être un facteur, on va attendre plus moins mais, euh, c'est plus simple. On a dit, on a fait les questions géométriques, on a vu la méthode, la plus, la plus rapide, où on a Déterminer l'ensemble des points M de Z tel que module de Z' égale à 1. Donc module de Z' égale à 1. Nous sommes forme, je dis, de Module de moins I fois Z plus 1 sur Z moins 2I égale à 1. quest On peut partager les modules, ce module de moins I. fois module de z plus 1, sur module de z moins 2i, égale à 1. Bien sûr, n'oubliez pas qu'au module de i, égale à module de moins i, égale à 1. Là, on peut écrire module de z moins moins 1, sur module de z moins 2i, égale à 1. Nous savons très bien que z, c'est la fixe de m. Et, euh, donc, zm, moins za, sur, si je reviens ici, donc, à un A d'affix moins 1, B d'affix i et C d'affix moins 2i. Euh, on, est, euh, on va changer quelque chose, so quelque chose, c'est que le B d'affix 2i, le C d'affix 2i. Donc, voilà. Donc, sur, zm, moins zc, égale à 1. Et là, ça donne, distance à m, sur, distance M égale à 1, ou, eh, d'ailleurs, que la distance ma, égale à la distance mc, donc, m décrit, donc, m, décrit la médiatrice. du segment A5. Mais question Raba ou question indépendante, ou Nanin Hatit ou question indépendante, je, vous rappelle, je vais comment résoudre une équation B carré. c'est une équation B carré sous la forme AZ puissance 4 plus BZ carré plus C égale à 0. Il s'agit de poser là, on pose, T égale à z carré. Donc cela donne que t au carré plus 4 it moins 4 égale à 0. Et là, on a dit produit remarquable. Il y a t carré plus 2 fois t fois 2i plus 2i au carré égale à 0. Et les produit remarquable, c'est t plus 2i le taux carré égale à 0. Yarni, que t plus 2i égale à 0. Yarni, t égale à moins 2i. Mais t, c'est égal à z carré. Donc, là, et t égale à z carré. Donc, z carré égale à moins 2i. Et les hi moins 2i, fois a moins i au carré. Et cela signifie que z égale à 1 plus i, euh, 1 moins i, ou z égale à moins 1 plus i. Donc, enfin, les solutions de cette équation bicarré, i a 1 moins i, et moins 1 plus i. Voilà.

Euh, Nertmo évent série numéro 2 le complexe, l'exercice numéro 6 et les bac 2024 session principale. Bac slap. B. Soit à l'eau, résoudre dans l'équation z carré 2 iz 4 égale à 0. Et maintenant, on a les coefficients de cette équation. A égale à 1, B égale à moins 2i et C égale à moins 4 qui m'a dit ça ça, les méthodes de résolution, a plus b plus c, a moins b plus c. On peut calculer le discriminant euh, delta prime. Elle la delta. Qui m'a bout. Donc trah, regardons delta. Elle est b carré moins 4ac, qui est égal à moins 2i au carré. Moins 4 fois 1 fois moins 4. Donc, ça donne moins 2i carré, moins 4. Bien sûr, le moins 2 carré, il y a 4. Le i carré, il y a moins 1, donc c'est moins 4. Plus 16, ça donne 12. Donc, c'est un réel positif. Donc, racine carré delta égale à racine carré de 12, qui est égal à 2 racine de 3. Alors, les solutions Z1 égale moins b moins racine carré delta, côté comme la notation radicale d'Instagram, qui est de delta, un réel positif, bien sûr, sur 2a. Donc, euh, égale euh, 2i moins 2 racine de 3 sur 2. Donc, ça donne i moins racine de 3, que je peux écrire tout simplement moins racine de 3 plus i. Et, la deuxième solution, z2, qui est égale à moins b, plus racine delta, sur 2a. Donc, c'est 2i, plus 2 racine carrée de 3, sur 2. Donc, i, plus racine de 3. Et, on l'écrit, racine de 3 plus i. Finalement, s dans c, c'est les deux nombres complexes, moins racine de 3 plus i, et racine de 3 plus i c'est question lourde bien sûr une question facile vérifiez que pour tout nombre complexe, deuxièmement petit a que euh, z au cube moins 8i à z plus 2i facteur de z carré moins 2z <laughs> 2iz moins 4 bon, on faire une la forme est il y a z plus 2i fois z carré moins 2iz, moins 4. Dans le développement, donc ça donne z au cube, moins 2iz carré, moins 4z, plus 2iz carré, plus 2i fois moins 2i, moins 4z, et euh, moins 8i. On peut remarquer les net. Et l'état de ma simplification par 2 i z carré ou 4 z ou 4 z, il nous reste z au cube moins 8 i. Donc, z au cube moins 8 i, égale, z plus 2 i, fois z carré, moins 2 iz moins 4. Comme d'habitude, m'a a fait des questions intermédiaires. On va résoudre l'équation z au cube égale à 8i. Donc, je n'en t'en Z au cube moins 8i égale à 0. On stable le fait que z au cube moins 8i, il s'écrit sous la forme z plus 2i fois z carré moins 2iz moins 4 égale à 0. Les deux termes égale à 0, manètre à Z plus 2i égale à 0, ou z carré moins 2iz, moins 4 égale à 0. Vous ai z égale à moins 2i, ou l'équation d'Ia, t'as l'année, les solutions de Tha, il est z égale à moins racine de 3 plus i, ou z égale à racine de 3 plus i. Donc, finalement, les solutions dansées de l'équation z au cube égale à 8i, il moins 2i, moins racine de 3 plus i, et racine de 3 plus i. Mais, partie géométrique, qui m'a t'la, dit ma Le plan complexe est menu d'un repère de au UV. On considère les points a, b et c d'affixe, a, b et d'affixe, d respectivement, za égale à moins 2i. Zb égale à racine 3 plus i, et Zd égale à moins 3 plus i. Les humains, les solutions à l'équation précédente. Dans la figure numéro 1 de l'annexe si jointe, on a placé le point A, et on a tracé le cercle C de centre O, et de, e. passons par A. À Haja, comme remarque, on dit, alors, Za, il moins 2i. Femma, dit, Zb, il racine de 3 plus i. Ou Zd, d racine de 3 plus i donc, les données les ont le cercle c est le cercle de centre o et euh, elle passe par a donc le rayon interne OA. a maintenant le rayon interne c'est le module de z a qui est égal à module de moins 2 i qui est égal à 2 b, c'est la figure interne qui est l'annexe ici dans l'annexe nous le cercle en tant a le point A placé ou le point A, euh, elle appartient au cercle. Donc cercle de centre O ou le rayon th 2. Montrez que les points B et D appartiennent au cercle C. C'est classique. Donc dit cercle C intérieur et cercle de centre O ou de rayon 2. Un dit ZB égale à racine de 3 plus I. Je calcule la distance OB, qui est égale au module de ZB qui est égal à module de racine de 3 plus i. Donc ça donne racine carrée de racine de 3 au carré plus 1 au carré. Donc c'est égal à racine de 4 qui est égal à 2. -à que le point B appartient au cercle C. On a on dit ZD, il y a moins racine de 3 plus i. Alors, OD égale module de zd, qui est égal à module de moins racine de 3 plus i. Donc, racine carré de moins racine de 3 au carré plus 1 au carré, qui est égal à racine de 4 égale à 2, alors le point D appartient aussi au cercle C. Voilà, enfin, donc, C, Rieshne, est et le cercle circonscrite au triangle ABC construire les points B et D qu'est-ce que ça veut dire le point B ou le point D on va par le point B qui est la fixe de racine de 3 plus I et ça veut dire que le point B a pour coordonnées racine de 3 au 1. ou 1 et il y a autre chose le point B appartient au cercle C qu'est-ce que je veux dire alors qu'est-ce qu'on va faire ici on va prendre la droite qui passe par le point de coordonnées 0,1 et parallèle à l'axe des abscisses, Sa droite. Donc le point net, le droit de droite avec l'ordonnée interne est égale à 1. Ou à l'heure l'ordonnée B est égale à 1. On le point B appartient à c. Donc c'est l'intersection ici. Donc là c'est le point B. Donc alors, je le point B est là. De bête. Nous l'intersection la de 3 est positif. Donc, on peut écrire ça que B est le point d'intersection entre le cercle C et la droite d'équation Y égale à 1. Et comme XB est positif, donc le point B, alors, c'est dans la partie dans la partie positive de l'axe des abscisses. Comment ZD égale à moins racine de 3 plus I. Donc, le point D a pour coordonnées moins racine de 3 et A. Et le point D appartient aussi au cercle C. Kif, kif, là, on peut noter que XB est positif et là, XD est négatif. Donc, voilà. Kif, kif le point D, neuf seche, appartient c'est le point d'intersection entre le, le cercle C et de, le, du cercle C et la droite d'équation y égale à 1 mais par côté négatif, et le point D, et on trouve le triangle ABD.

que ABD est un triangle isocèle ou m'a angle binaire entre ABAD de mesure pi sur 3. Arsenchei ou SL l'ait mis et nous, Narsbo, la distance AB liée au module de ZD, ZA, qui est égal à moins racine de 3 plus I, ou ZA liée à alors moins 2i, donc je dois lire plus 2i. Donc, c'est égal à module de moins racine de 3 plus 3i, qui est égal à racine carrée de moins racine de 3 au carré, qui est égal à 3, plus 9, égal à racine carrée de 12. Format, la distance AD, qui est égal à module de ZD, ZA, qui est égal à module de uh, ab, uh, AD, eh, hezhe AD, AD, AB. Donc, c'est. Module de ZB moins ZA qui est égal à racine de 3 plus I, plus 2I aussi. Donc ça donne le module de racine de 3 plus 3I. Kif kif, 9 c'est cher, racine carrée de 3 plus 9 qui est égal à racine carrée de 12. Et finalement, on a bout, la distance BD. C'est le module de ZD moins ZB qui est égal au module de moins racine de 3 plus I, moins... Euh, racine de 3 euh, moins i, donc nahal i i, donc c'est le module de moins 2 racine de 3 qui est égal à 2 racine de 3. On a dit racine de 12 et à 2 racine de 3, on a 2 racine de 3. Qu'est-ce qu'on peut remarquer Que AD égale égal à AB, égal à BD, et cela signifie que ABD est un triangle équilatéral. La troisième question, euh, la quatrième question dans cet exercice, voilà, on introduit la notion de tangente ici. La tangente T1AC en A, c'est la tangente T1, cette tangente, et la tangente T2AC en B se coupe au point E. On peut remarquer, ça c'est la tangente T1 en A, qui est perpendiculaire à la droite qui porte le rayon d'un cercle. à la tangente T2 qui est aussi perpendiculaire à la droite OB portant le rayon du cercle C, ces deux tangentes se coupent en un point E. On va voir que l'objectif de chercher les coordonnées du point E. Alors justifier que l'affixe du point E et il s'écrit comme ZE égale à X-2I où X est un réel B. un réel B où l'intersection t1 ou t2. Le t1, c'est la tangente en A. L'A, c'est un point qui appartient à la droite des imaginaires. Donc, T1, il est perpendiculaire à la droite des imaginaires. Alors, commençons par ceci. Donc, on dit E, c'est le point d'intersection. Entre T1 et T2. On pose que E a pour coordonnées y ou bien que ZE égale à X plus Y avec X appartenant R et Y appartenant R. Alors on a E appartient T1 et T1 c'est la tangente. AC en A, avec les coordonnées de A, c'est 0 moins 2. Donc, T1 est parallèle ou bien orthogonal, si vous voulez, qui m'a parallèle à OU, et passons par A. Donc, T1 a pour équation y égale à moins 2. Et on a E appartient à T1. Cela signifie que yE égale à moins 2. Et cela signifie que ZE égale à x moins 2i avec x appartient à de r. Et l'explication t'a qui fait ze égale à x moins 2i. Maintenant, table hau, elle est point E, est point tangent T1, T1, elle est parallèle à l'axe des réels, ou elle est orthogonale à l'axe orthogonal des imaginaires. Donc, on a l'équation Tha, T1, y égale à moins 2. T'as des oeufs Montrer que ZE moins ZB fois ZB bar égale à X racine de 3 moins 6 moins I facteur de X plus 2 racine de 3. Tout à fait normal, Adna z ZE y est X moins 2I. On aussi que ZB est racine de 3 plus I. Donc z e ZE moins ZB fois ZB bar qui est égal. Alors, x moins 2i, moins racine de 3 moins i, fois racine de 3 plus i bar. Donc ça donne x moins racine de 3, moins 3i, fois racine de 3 moins i. Alors, le développement radaire. Donc ça donne x racine de 3, moins ix, moins 3 moins i racine de 3 moins 3i racine de 3 plus 3i carré moins 3 donc ça donne x racine de 3 le réel moins 3 moins 3 donc moins 6 on enfin, moins i facteur on peut calculer d'abord moins i x moins 2i racine de 3 ce qui donne x racine de 3 moins 6 moins i facteur de x plus 2 racine de 3. Heavy, il forme les habes Bon, je le faire On chauffe. déduire que z e égale à 2 racine de 3 moins 2 i. Mais au début, ça, je connais. Le e appartient les T2. Et T2, il est perpendiculaire à OB. B. Comme A indiquait Delic, B appartient T2. Donc, nous stannons que BE Vecteur BE orthogonal au vecteur OB. Et cela signifie que ZBE fois ZOB bar appartient IR, imaginaire pur. Et cela signifie que ZE moins ZB fois ZB moins ZO le tout bar appartient ir. R. Cela nous donne Z E moins Z B fois Z B bar appartient ir. Mais nous, Z E moins Z B fois euh, moins Z B bar, nous avons X racine de 3 moins 6, dans la question liable, moins I facteur de X plus 2 racine de 3. Cela colo appartient et Un nombre complexe imaginaire peur, cela signifie le réel interne égal à 0. Qu'est-ce signifie signifie que x racine de 3 moins 6 égale à 0. Et x racine de 3 égale à 6. Ça donne que x égale à 6 sur racine de 3. On va faire le racine de 3 pour Donc 6 racine de 3 sur 3. Donc il y a 2 racine de 3. On a x. Donc finalement, زد او إيجالا إكس او موان دو زي كت إيجالا دو راسين دو تخوا موان دو زي شوفنا كيفاش كي نتبعو التمرين بشوية بشوية وما نتفلسفوش في الخدمة ونقعدو نفركسو ونقولو بالك شحال بهاك كدا نخلطو معناتها ما فماش مشكل بنت يبا دو بروبليم هون لهنا <applause> سي باخ Prouvez que le quadrilatère ABAEBD est un losange. Losange, donc euh, il se fait, bien un parallélogramme. À cause, alors, qu'à triangle ABD et d équilatéral, mais on est équilatéral, manette AD est égal à BD, ben, parallélogramme équivie. écrit parallélogramme, nous parallélogramme, la fixe de de AE qui est égal à ZE en ZA. ZE, nous avons 2 racines de 3 moins 2i, et euh, plus 2i. Je n'ai 2i ou 2i. Je n'ai 2 racines de 3. on a la fixe euh, du vecteur BD, qui est égale à ZD en ZB. B, dB db c'est le contraire au sens dB Il y a zb moins zd qui est égal à racine de 3 plus i plus racine de 3 moins i donc i'm euh, a de racine de 3 donc on peut remarquer que affixe de ae égal affixe de db et cela signifie que AE égale DB, vous avez donc que AEBD est un parallélogramme. Et comme BD égale AD, donc AEBD est un losange.

Du losange AEBD, c'est égal à hauteur fois la base. Ben, la hauteur, je ne pas, je pas là, il y le point I. Donc, c'est égal à AI fois BD, avec I. et est sur le milieu de BD. Un autre triangle interne est équilatéral. Euh, en, fait, en fait distance à itinage est égale à 3 donc ça donne que l'air interne est égal à 3 fois bd m'a un module de zd moins zb qui est égal à 3 fois euh, alors zd est moins racine de 3 plus i moins racine de 3 moins i à hal i ou i à 3 fois module de moins 2 racine de 3 qui est égal à 3 fois 2 racines de 3, ça donne 6 racines de 3. Et bien, l'air interne. Je qui sais pas le cas. Et de la, la série numéro 2 interne. Il de la série numéro 2 interne. de la série numéro de la série numéro 2 interne. Bonne chance, courage. Ça, c'est un chapitre, alors, achevé avec le cours et la série d'exercices numéro 1 et la série d'exercices numéro 2. Ça, prochainement, donc, euh, je vous fais, euh, chapitre euh, numéro 2, suite réelle, dans la partie numéro 2 du programme. Et euh, chapitre numéro 1, euh, la partie 1 du programme, l'EOL l'analyse, Limite, Continuité et Dérivation. Allez, au revoir.